Hello, well, welcome on NTA, my automotive channel. Today we are testing this new Ram 1500. Avant de devenir une marque à part entière en 2010, le nom Ram désignait la division utilitaire de Dodge. C'est la raison pour laquelle les deux marques se partagent le même logo à tête de bélier. Aux USA, la gamme Ram se compose de 7 modèles, dont 2 utilitaires Fiat rebadgé. La gamme européenne se limite au moins grand des pick-up, le 1500. La cinquième génération de Ram 1500 a été dévoilée au salon de Détroit le 15 janvier 2018. Malgré sa forte ressemblance avec le modèle précédent, ce pick-up est entièrement nouveau et beaucoup plus moderne, comme en témoigne l'usage d'acier à haute limite d'élasticité pour 98% de son châssis à échelle, sa suspension multibras ou encore sa boîte automatique d'origine ZF à 8 rapports. Sous le capot, on retrouve deux moteurs à essence, le 3,6 litres V6 Pentastar et ce V8 5,7 litres EMI, seule offre disponible pour l'Europe. Ce moteur essence à aspiration naturelle développe 395 chevaux et 556 Nm de couple. Et il faut bien ça pour déplacer l'engin qui fait quand même 2350 kg en ordre de marche. La fiscalité est avantageuse pour ce genre d'engin. Vous ne payez ni taxe de mise circulation, ni écomalus. Vous acquittez uniquement de la taxe de roulage annuelle, qui est de 150 € environ. Et vous devrez également passer au contrôle technique dès la première année et toutes les années suivantes. Comme un utilitaire en somme. Je tiens à remercier vivement Pascal du garage L'Universel à Stambert qui a mis à ma disposition ce Ram 1500. C'est une version tout haut de gamme, la Rami, avec pas mal de packs, le pack protection et surtout le pack sport qui lui donne ce look encore plus agressif. Il est également équipé du CNG juste ici, c'est-à-dire le gaz naturel. Il est affiché à 87 000 € et pour un véhicule aussi luxueux, finalement, c'est pas tant que ça. À ce prix-là, l'équipement est royal. Je ne vais pas tout vous détailler tant la liste est longue. Sachez juste que l'essentiel, l'accessoire, le superflu et tout ce à quoi vous n'auriez même pas pensé est inclus dans cette voiture, y compris le réglage électrique du pédalier. Si, si, le pédalier. L'équipement est celui d'une berline luxueuse à laquelle on aurait ajouté toutes les options du catalogue. Une molette permet de contrôler la transmission intégrale sophistiquée et même de bloquer le différentiel arrière. Bien dans son époque, le Ram 1500 présente un système multimédia performant avec un bel écran tactile et une connectivité à la page. Le Ram a passé les crash tests de l'Institut américain des assurances pour la sécurité routière, l'IIHS, dont les protocoles sont bien plus sévères que ceux de l'Euro NCAP, et il les a réussis avec la meilleure mention. Le Ram est le plus petit des pick-up de la marque, mais il est tout de même particulièrement imposant avec presque 6 mètres de long pour 2 mètres de haut. La distance entre l'axe des roues s'appelle l'empattement. Eh bien sachez que l'empattement fait la taille d'une Twingo. Tout entière la Twingo, tout entière. Ah oui. Et si vous n'êtes pas un adepte de l'escalade, utilisez le marchepied pour monter à l'intérieur. Évidemment, l'espace intérieur est royal et la coudoir centrale est immense. Il est large comme un siège. Et c'est normal parce qu'aux États-Unis, à la place de cet accoudoir, on peut avoir un troisième siège supplémentaire à l'avant. À l'arrière, des passagers disposent d'assez d'espace pour faire un match de squash. À trois de front, on a de la place aux jambes, on a de la place à la tête et on a de la place pour les coudes. Et si on n'est que deux à l'arrière, on peut transformer cette petite place-là en tout petit accoudoir. Ouais, non, j'exagère. C'est vraiment un très très large accoudoir. En plus, le dossier de la banquette, il est inclinable, particulièrement confortable, donc c'est vraiment très agréable d'être à l'arrière. On est à des années-lumière de l'univers de l'utilitaire. La benne fait 1,70 m de profondeur pour 1,60 m de large. Et si ça ne vous suffit pas, il existe également une version avec 1,90 m. C'est pour les plus grands. Cela représente plus de 1700 litres de contenance à bord d'elle, pour une charge maximale de 816 kg. En Europe, le Ram est homologué pour tracter une remorque de 3500 kg, contre 5800 aux USA. Au cas où ça ne suffirait pas, la banquette arrière est relevable pour créer un nouvel espace de rangement. Bon, soit petit bowling. Le design intérieur est massif et tout à fait conforme avec l'univers du Ram. La finition est surprenante pour un véhicule utilitaire qui plus est américain. À quelques exceptions près, les matériaux sont bons et l'assemblage très soigné. Le niveau est tout à fait comparable à celui d'une bonne familiale européenne. Le siège conducteur n'est pas un simple siège, il s'agit véritablement d'un fauteuil Pullman. On a la position qui est digne de celle d'un camion, c'est-à-dire qu'on domine vraiment la route et on est vraiment vraiment bien assis. Ça incite à conduire de manière plutôt cool, plutôt à l'américaine. En plus, la visibilité est un petit peu entravée par le fait qu'on est tellement haut qu'on a l'impression de rouler à travers des miniatures. Heureusement, il y a une caméra 360 degrés qui s'affiche sur ce bel et grand écran central. Bon, maintenant, trêve de bavardage, il est temps d'aller rouler. Pas de doute, c'est un V8 américain. Il
cloute gentiment au démarrage et en bon émis, il apprécie aussi de hurler en montant dans les tours. Malgré ses presque 2,4 tonnes, le RAM se montre vif au démarrage. Il peut même se révéler brutal si on décide d'écraser la pédale d'accélérateur. En 2017, le Moniteur Automobile avait mesuré les performances de la précédente génération de RAM 1500. Le 0 à 100 était abattu en 7 secondes et le kilomètre départ était en 28 secondes. Avec près de 150 kg de moins sur la balance, le nouveau RAM 1500 améliore ses performances sensiblement. Le moteur est impressionnant. Il donne l'impression de ne pas avoir de limites. Il pousse, il hurle à la demande, mais au quotidien, il se montre doux et civilisé. La boîte, elle, est parfaite. Elle passe les 8 rapports avec discernement, douceur et rapidité. La direction est surprenante. Certes dépourvue de retour d'information et fortement démultipliée, elle se montre quand même très précise. Le diamètre de braquage est d'environ 2,5 km. Avec 2400 kg à mouvoir, une garde au sol importante et des pneus à flanc haut, le RAM ne peut pas cacher son inertie dans les virages. Mais il ne se conduit pas comme un gros patapouf pour autant. À condition de ne pas confondre avec une Alpine A110 ou une Lotus Elise, le RAM arrive quand même à se conduire à l'européenne. Et sur autoroute, il est royal de stabilité. Et de ce que j'ai pu en voir, il passe comme un Sherman sur les sols non bitumés. La suspension pneumatique isole parfaitement les occupants de tout ce qui peut se passer sur la route. Les trous, les ornières, les nids de poule, même les Twingo, on roule au-dessus. C'est simple, d'ailleurs, toutes les autres voitures ressemblent à des miniatures. La visibilité est celle d'un porte-avions. On voit difficilement un peu tout ce qui se passe autour. Heureusement, il y a des caméras 360 degrés qui permettent de vraiment faciliter toutes les manœuvres. Enfin, il reste la climatisation typée à l'américaine. Elle fonctionne parfaitement. Seul détail, c'est qu'en dessous de 24 degrés, ça souffle très froid. Et au-dessus, la climatisation fonctionne nickel à la bonne température. Sans surprise, ce RAM affiche une belle descente. Donné pour 14,9 litres au 100 en cycle normalisé, ce RAM a consommé près de 20 litres de moyenne au cours de cet essai. Bon, il faut avouer qu'on s'est un petit peu amusé avec aussi. Le réservoir à carburant a une contenance de 98 litres ou en option de 124. Et si vous voulez penser à la fois à votre portefeuille et à la planète, vous pouvez convertir le RAM au CNG, le gaz naturel compressé. 3 fois moins cher à la pompe que le sans-plomb. Raffiné et bestial à la fois, ce RAM m'a donné la banane tout au long de la journée avec son V8 glouglouteux. C'est un véritable antidépresseur à 4 roues que tout bon docteur devrait prescrire. J'ai vraiment adoré ce petit goût d'Amérique. Et voilà, c'était cet à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. A très bientôt pour de nouveaux essais et soyez prudents sur les routes.